Donc là, vous avez plus de questions parce que il y a toutes les réponses dans le film. À moi, vous posez des questions ou si c'est vous qui vous... Non, si vous posez des questions. Ah. Souvent, je dis qu'il n'y a pas un cinémato en particulier qui m'a intéressé le plus. C'est que c'est vraiment l'ensemble de l'aventure. Ça fait vraiment un ensemble. Donc, c'est vrai. Il y a eu des tournages plus forts que d'autres, bien sûr. Mais j'essaie de privilégier l'ensemble. C'est-à-dire que c'est une aventure. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur, on pourrait s'amuser à jouer comme ça, à classer les cinématons. Mais moi, mais aussi vous. C'est-à-dire que si vous les connaissiez tous, vous pourriez jouer comme ça en disant celui qui vous intéresse le plus. Mais tout dépend des critères. Parce que comme vous avez vu, ça va dans toutes les directions, les cinématons. Donc, on peut choisir des critères très particuliers ça peut être des critères différents. Hein. On peut dire, je ne sais pas, celui qui est le plus drôle, celui, je ne sais pas, qui fait passer le plus d'émotions, enfin, etc. On peut imaginer toutes sortes de critères. Quoi. Alors, au fond. Pourquoi faire un film sur le cinéma? Est-ce que vous avez peur qu'on comprend mal votre message? Non, mais vous savez, dans la vie, des fois, il faut saisir les opportunités. Ce film-là, en fait, je n'avais pas vraiment le projet de le faire, mais juste avant, j'avais fait un autre film qui s'appelle L'homme des roubines, un film avec Luc Moulet qu'on a tourné dans les Alpes. Et donc, le producteur a adoré le film. Et donc, puis en discutant avec lui, évidemment, il connaissait les cinématons, tout ça. Et donc, c'est comme ça parti d'une idée, ben, si on faisait quelque chose autour du cinématon pour faire mieux connaître le cinématon. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a proposé de faire un film. Ce qui arrive très rarement. En général, le réalisateur a un projet, puis après, il faut trouver de l'argent pour essayer de le monter. Et puis, souvent, on n'y arrive pas. Des fois, on y arrive. Souvent, c'est très long. Et là, par contre, là, c'était le producteur qui proposait. Alors, quand un producteur propose, il faut vite foncer, dire tout de suite oui. Et c'est un film, on a pu le faire très vite. Et voilà, si j'avais tergiversé tout ça, peut-être que ça serait tombé à l'eau. Donc là, j'ai vraiment eu la chance qu'on me propose, c'est une des deux ou trois fois dans ma vie où un producteur m'a dit, voilà, si on faisait un film, voilà, je trouve le financement et on le fait. Donc, au départ, je n'avais pas pensé de faire un film sur les cinématons. Voilà, donc c'est un film qui a été coproduit aussi par une chaîne de télévision du câble, et donc est passé sur cette chaîne de télévision, et voilà, bon, le film, maintenant, a le mérite d'exister, parce que c'est, en même temps, c'est un outil pédagogique aussi sur cette aventure cinématographique que je mène maintenant depuis 28 ans. Parce qu'on a tourné en 78, février 78 le premier. Donc voilà. Il y avait une autre question. Bon, là. Quelle est la démarche que vous adoptez pour leur vendre en quelque sorte? Alors, il y a toujours un rapport personnel avec la personne que je filme. Alors, c'est soit des gens que je connais au départ. Donc là, c'est facile. Ou soit souvent, ce sont des gens que j'ai filmés qui me font rencontrer d'autres personnes que je n'ai pas filmées. Et donc, il y a déjà une sorte de relation personnelle au départ. Si vous voulez, je ne vais pas chercher des gens que je ne connais pas en leur proposant ce projet-là. Parce qu'ils diraient que c'est un truc de fou. Quoi. De les filmer des gens en cinéma muet, la plupart des personnes se disent « c'est pas normal aujourd'hui de faire des films muets ». Donc, j'ai besoin de cette relation personnelle au départ. Et donc, pratiquement tous les cinématons, il y a vraiment cette relation-là qui existe. Et ce qui permet également de pouvoir faire des portraits très intimistes aussi. Les personnes que je filme se livrent plus facilement. Et en même temps, je ne me suis jamais vu, je ne verrai jamais prendre mon téléphone, avoir des numéros de téléphone d'écrivains, de cinéastes, d'acteurs, et les appeler en disant, voilà, je m'appelle Gérard Courant, je fais les cinématons, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, est-ce que ça vous intéresserait? Moi, je ne le sens pas. J'ai besoin comme ça de cette relation vraiment intime, voilà. Et j'ai toujours fonctionné comme ça depuis le début, hein. Et je pense que ça sera toujours comme ça. J'en ai besoin, et autrement, ça deviendrait quelque chose qui serait... Les
le cinéma de temps, c'est un film tellement particulier, tellement hors de tout ce qui se fait au cinéma, qu'il faut avoir cette relation-là qui est particulière. Oui. Alors, il y en a qui sont prévenus longtemps à l'avance, d'autres pas, ça dépend des circonstances. Il y a des gens à qui je le propose, enfin, donc ils me disent, d'accord, on va le faire le plus vite possible. Et qui me disent, ouais, mais j'ai pas envie d'y penser pendant des semaines, tout ça, j'ai vraiment envie de le faire tout de suite. Très bien. Puis il y en a d'autres qui me disent, oulala, faut que j'y réfléchisse, j'ai pas envie de le faire tout de suite, faut que j'ai une idée, et donc on se rappelle dès que j'ai une idée, voilà. Alors, je pense par exemple à l'histoire de Jean-Paul Fargier, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit beaucoup sur l'art vidéo, puis qui aussi a fait beaucoup de vidéos. Et je lui avais proposé vers 1980. Il m'avait dit, très bien, on va le faire, mais là, je ne suis pas prêt, il faut que j'ai une idée. Très bien. Il me dit, mais dès que j'ai une idée, je te le dis. Puis c'est quelqu'un que je croisais une fois ou deux par an. Puis à chaque fois que je voyais, je lui dis, bah, tiens, est-ce que tu es prêt pour le cinémathon? À chaque fois, il me disait, j'y réfléchis, mais pas encore. Les années passées, à la fin, ça devenait un gag. Chaque fois que je le voyais, je lui disais, bah tiens, le cinémathon. Non, mais il me dit, j'y pense. Et un jour, c'était en 1991, plus de 10 ans après, je rencontre un mariage, d'ailleurs, d'un ami. Il me dit, voilà, je suis prêt, on tourne quand tu veux. Très bien, donc on s'appelle dans la semaine, je le filme dans la semaine. Et alors, dans son cas précis, il avait vraiment eu raison d'attendre plus de 10 ans, parce que dans son cinémathon, il a fait passer plein de choses de son vécu qu'il n'aurait jamais pu faire passer autrement. C'est-à-dire qu'entre-temps, son père était mort. Entre-temps, il avait hérité des vignes, du vignoble de son père. Il fabriquait du vin, etc. Et en fait, je l'ai filmé dans sa cave. Alors, c'était une cave à Paris, donc on voit que c'est une cave, tout ça. Et il boit un vin qu'il a fabriqué lui-même. Et c'est bien quelque chose de... Son cinémathon est quelque chose de complètement autobiographique. En fait, ça raconte une partie de sa vie, simplement en 3 minutes. Et dans son cas précis, justement, il a eu vraiment raison d'attendre. Et le résultat est très étonnant, parce que c'est quelque chose, il y a une force dans son cinémathon qui n'aurait jamais été atteinte s'il avait dit la première fois, d'accord, je vais faire un cinémathon. Donc c'est pour bien vous expliquer ça. Alors, il y a aussi une chose, les cinémathons que je fais à Paris, parce que j'habite à Paris, ou à l'extérieur, par exemple, à l'occasion de festivals de cinéma, je me déplace avec ma caméra depuis toujours, quand je vais au Festival de Cannes ou ailleurs, donc je filme des gens là. Alors souvent, les personnes que je rencontre, quand je dis, bon, on va faire un cinémathon, tout ça, là, souvent, ça va se faire peut-être dans les 24 heures, ou peut-être même quelquefois dans la journée même. Par contre, quand c'est à Paris, là, on a plus de temps. On sait qu'on habite tous les deux à Paris, donc ça peut se faire beaucoup plus tard. Donc, entre Paris et ceux qui sont en dehors de Paris, c'est vrai que... C'est différent. Si je vais au Festival de Cannes et que je rencontre, par exemple, je rencontre un cinéaste philippin, si je ne le fais pas pendant le Festival de Cannes, je ne le reverrai peut-être plus jamais de ma vie. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens que j'ai filmés, et pas mal, hein, que j'ai filmés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, que je n'ai jamais revu de ma vie. Parce qu'ils habitent en Amérique latine, ils habitent en Asie, ils habitent en Afrique. Et puis bon, peut-être qu'ils reviennent de quelques fois à Paris, mais on ne s'est jamais recroisés. Donc c'était vraiment l'occasion à saisir. Et si j'avais... Si je ne les avais pas filmés à ce moment-là, moi, je ne les aurais jamais filmés. Il y avait une autre question. Ah, oui. Vous êtes filmé, vous êtes le millième, c'est ça? Alors, plus que ça, parce que en 1977, quand je réalisais mon premier long métrage, j'ai fait un premier cinémathon que j'avais intégré dans ce long métrage. Alors, il y a un titre intéressant, ce long métrage, je vous le dis, il s'appelle Urgent. Ou à quoi bon exécuter les projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante. Donc je m'étais fait filmer, j'habitais dans le 14e à Paris, je m'étais fait filmer dans le cimetière de Montparnasse, qui était juste à côté d'où j'habitais. Et donc, ce n'était pas un cinémathon au départ, hein, c'était pour l'intégrer dans mon film. Et quand je m'étais posé devant la caméra, j'avais une amie caméraman qui m'avait filmé, et je n'avais rien fait par la caméra. Je m'étais posé devant la caméra sans rien faire. Et quand j'ai vu le résultat projeté, j'ai été complètement surpris parce que je me suis aperçu qu'il se passait plein de choses sur mon visage. Je croyais avoir rien fait et en fait, il se passait plein de petits détails, de mimiques, de clignements d'yeux. Il se passait plein de choses. Ça m'a beaucoup surpris. Et c'est à partir de ce numéro zéro, en fait, je l'ai appelé un numéro zéro, que je me suis dit, il faut continuer, filmer les autres. Donc, le premier cobaye, ça a vraiment été moi. Et alors, après, dans la collection des cinématons, j'ai fait le numéro 1000,
parce que ça clôturait 10 ans de tournage, ça me semblait amusant de finir sur moi le livre. Et je n'étais pas sûr de continuer après 1001. C'est-à-dire que le 31 décembre 1987, hein, ça faisait pratiquement 10 ans que j'avais commencé, j'ai vraiment fait 1000 en disant c'était le dernier. Et puis dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, je me suis dit non, je continue, et j'ai fait un nouveau cinématon de moi-même le 1er janvier, qui est 1001. Et en disant, si jamais j'arrive à 2000, alors là, à l'époque, je ne peux pas savoir si j'arriverai à 2000, si j'arrive à 2000, ça sera moi le 2000e. Et en fait, je suis arrivé à 2000, même plus, et je me suis filmé, et ça, c'est par ordre chronologique, je ne pouvais pas tricher, le 31 décembre 1999. C'est-à-dire, juste avant l'an 2000, j'ai fait le cinématon 2000. C'est absolument incroyable d'être arrivé comme ça, parce que à un moment donné, je pensais que j'aurais beaucoup d'avance, que quand je me filmerai le numéro 2000, ça sera bien avant le 31 décembre 1999. Et puis j'ai ralenti, je ne sais pas pourquoi, j'étais sur d'autres films, d'autres projets, et donc je suis vraiment arrivé, et là je ne peux pas tricher, parce qu'un cinématon, comme vous l'avez vu, un numéro, c'est montré régulièrement, donc on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire l'histoire. C'est ce qu'explique Alain Pocard, il y a vraiment, c'est daté, tout ça, avec les heures, les lieux de tournage, on ne peut pas tricher. Donc c'est impossible de tricher. Voilà. Donc dans la collection, il y a le numéro 0, il y a le 1000, le 1001 et le 2000. Et aussi, j'apparais dans d'autres cinématons dans les miroirs parfois. Alors, dans les miroirs, il y en a peut-être une dizaine. Il y a celui aussi avec Juliette Berthaud. Juliette Berthaud, donc le dernier cinématon où il y a le générique, on me voit donc, en surimpression sur elle. C'est elle qui avait voulu ce dispositif-là. Entre elle et la caméra, elle avait fait installer une vitre teintée en gris, c'est-à-dire un peu teintée en gris, pas trop, parce que si ça avait été trop, elle, on n'aurait plus aperçu derrière la glace, et donc elle voulait que ça soit teinté en gris pour que moi je me reflète sur elle, que je me surimpressionne sur elle. C'est-à-dire qu'elle voulait que son cinématon, que le concepteur, l'inventeur du cinématon, recouvre en partie son image. Donc voilà, c'était sa volonté. Et entre le 0, le 1000, le 1001, le 2000, il n'y a pas des états dans lesquels vous avez été, où vous avez pensé, bon, bah, ce matin, il y a quelque chose de particulier qui se passe, je ne sais pas, plutôt quelque chose de flottant, difficile à être palpable, vous n'avez pas eu envie de vous filmer comme ça, même si c'était le numéro 740. Ah oui, non. Parce que non, je suis pas frustré de me filmer, parce que je peux me filmer dans d'autres films, parce que je fais par ailleurs beaucoup d'autres films, et donc des longs métrages, ou d'autres séries d'ailleurs, parce que les cinématons, c'est la série la plus connue, mais j'en mène de front une vingtaine, et donc il y a une série qui s'appelle Portrait de groupe, où je filme des groupes, hein, selon le même principe de durée, en cinéma muet, sauf que là c'est un cadre large, c'est un peu comme la photo de famille en cinéma, et là dans les groupes, quand j'ai ma place dans les groupes, je suis dans les groupes. Donc là, les groupes, j'en ai filmé 235, je crois, et je suis peut-être dans, je sais pas, 150 groupes. Donc je ne suis pas du tout frustré de la caméra. Je suis souvent aussi devant, je suis beaucoup derrière, mais je suis aussi souvent dedans. Mais pour continuer à répondre à votre question, non, je me suis donné des chiffres comme ça. Maintenant, je ne me suis pas donné de chiffres, je n'ai pas dit 3000, parce que là, ça me paraît loin. À chaque fois, ça me paraît loin. À chaque fois, je ne sais jamais, si vous voulez. J'ai dit c'est le film d'une vie, mais je ne sais jamais si je continuerai, parce que on ne sait pas, il y a aussi une question de disponibilité. Par exemple, là, je tourne depuis le début en Kodachrome Super 8, et là le Kodachrome arrête, donc je pense que je vais passer au noir et blanc. C'est-à-dire que je fais l'inverse du cinéma, c'est-à-dire maintenant je vais passer au noir et blanc. Alors, les cinéastes, à un moment donné, les années 40, 50, 60, sont passés de la couleur au noir et blanc. Alors, moi, avec un peu un décalage, je vais passer peut-être au noir et blanc. Donc voilà, cette pellicule arrête, je pourrais arrêter le cinématon. Il y a des gens d'ailleurs qui pensent que je vais arrêter puisque cette pellicule n'existe plus. Donc si vous voulez, en même temps, pour ne pas me scléroser, pour ne pas me, comment dire, pour ne pas m'angoisser, je ne sais jamais si je vais continuer. Alors je continue, mais je ne sais jamais. Je ne dis pas dire que je vais continuer pendant toute ma vie. Beaucoup de gens quoi, disent que j'ai fait, voilà. Et quand je dis ça dans l'émission de la rue, que je vais filmer jusqu'à ma mort, tout ça, mais c'est un jeu. C'est lui qui attend que je dise ça. Si je ne dis pas ça, il va être déçu. Donc je réponds à sa demande. Mais sincèrement, je ne sais pas du tout. Moi, ça me paralyserait si je me disais je vais filmer jusqu'à ma mort. Imaginez que je vis jusqu'à 100 ans. Vous vous rendez compte? Quel travail! Non, mais. Donc. Vous parlez souvent du nombre de cinématographes.
admettons que vous avez réalisé, qu'est-ce que ça a comme importance à vos yeux, ce nombre? Oui, les chiffres, oui, c'est important hein, pour moi. Déjà, le fait que chaque cinémathon déjà soit numéroté, c'est déjà c'est quelque chose qui est. C'est un travail sur, c'est un travail sur les séries. Quoi. Et c'est vrai qu'on est très peu de cinéastes, il n'y en a presque pas qui travaillent sur les séries. Donc les nombres ont beaucoup d'importance. Moi, je ne suis pas un spécialiste des nombres, hein, mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, il y a des choses assez magiques. Et par exemple, je me suis aperçu, mais c'est le hasard, le numéro 666, donc on dit c'est le chiffre du diable. Bon. Et j'ai filmé John Berry, très bon cinéaste américain, qui a fait une partie de sa carrière aux États-Unis, et il fait partie, avec Joseph Losey, c'est le principal cinéaste qui a été victime du McCarthyisme aux États-Unis, qui a été obligé de s'exiler. Donc il s'est exilé lui en France, Joseph Losey lui s'est exilé en Angleterre, et c'est le chiffre du diable, ça tombe comme par hasard sur John Berry. Bon, il y a des choses comme ça, un peu bizarres, quoi. Donc, on peut s'amuser. Il y a des chiffres, des cinématons, il y a des choses. Par exemple, j'ai. Le cinématon de. Parce qu'il y avait Paini, le cinématon de Paini, c'est le numéro 333. Oui, alors, c'est Paini, là, c'est quelqu'un qui a demi Paini, enfin, qui était l'ancien directeur de la cinémathèque. Il a deux cinématons. Il y a le numéro 100, c'est quand même pas mal comme chiffre. Et son autre chiffre, c'est 333. À chaque fois, c'est des hasards. Est-ce que le hasard existe? Alors, le numéro de Godard, c'est 106. Et celui de Wim Wenders, c'est 212. C'est la moitié de Wenders. Voilà, puis après, ça me vient à faire des recherches comme ça. Alors bon, il y a des spécialistes là-dessus qui pourraient peut-être faire des études. Ça n'a pas été fait encore. Il y a eu des études sur les cinématons, mais pas cette étude-là, c'est vrai. Donc les chiffres, oui, pour moi c'est important parce que chaque série, si vous voulez, a ses chiffres. C'est-à-dire, les cinématons, on part de 1 puis on continue. Et la série Portrait de groupe, on part de 1 et ça continue. La série Couple, pareil. La série Lire, pareil. Toute série commence à 1 et elle continue. Quand vous présentez vos films, est-ce que vous les présentez toujours dans un ordre? Les cinématons, vous voulez dire. Les cinématons. Ou alors, est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire un montage pour présenter ce que vous vouliez, ou certains avec des personnalités? Oui, ben là, il y a tous les cas de figure. Donc, il y a soit, par exemple, quand il y a une intégrale, alors là, on part du premier, on va jusqu'au dernier, parce que là, ça serait très compliqué de mélanger. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, très souvent, il y a des séances sur un thème. Alors, par exemple, ça peut être une projection avec 20 cinématons, 25 cinématons, c'est-à-dire à peu près une heure et demie de programme, et ça peut être sur tous les thèmes possibles. Là, par exemple, j'étais à Valence l'année dernière, on m'a demandé des cinématons d'hommes politiques. Alors, je ne savais même pas si j'en avais beaucoup, si je n'ai pas filmé beaucoup d'hommes politiques, mais déjà, j'avais quand même quelqu'un comme Jack Lang, par exemple. On a trouvé une vingtaine de cinématons, donc j'ai fait un montage spécial, qu'avec des personnalités politiques, pas seulement françaises d'ailleurs. Et depuis les années que je montre ça, il y a eu des séances des plus sérieuses comme les plus farfelues. Hein. Il y a eu des séances avec les cinématons les plus drôles, les cinématons les plus narcissiques. Alors, je suis allé à Berlin, on m'a demandé les cinématons des Allemands. Je suis allé à New York, on m'a demandé les cinématons des Américains, donc par nationalité. Ou même par sexe, hein. On m'a demandé par exemple les femmes cinéastes, une autre fois les plus belles femmes. Non mais tout, c'est sans limite. Et depuis le début, il y a très vite eu des sélections par terre. Il y a eu énormément de sélections, mais on peut en imaginer encore plein d'autres. On peut imaginer que les chauves, par exemple, que les barbus, que les buveurs, ça a déjà été fait, une séance qu'avec des buveurs. Donc des choses comme ça, très légères, ou des choses très sérieuses. Voilà, enfin, c'est sans fin. Plus il y en a, plus il y a de cinématons, plus ça ouvre les possibilités. Mais je dirais quand même, le plus intéressant, c'est quand c'est montré par ordre chronologique. C'est par ordre chronologique, si vous voulez, c'est le hasard donc, de la chronologie des tournages. Et c'est assez étonnant, parce qu'en même temps, donc, toutes les personnes qu'on voit sont des personnes, à chaque fois, c'est une personnalité différente qu'on voit. Et en même temps, ça raconte une histoire. C'est assez étonnant de voir comme ça, de voir ça dans la continuité. C'est vraiment une expérience à faire. Et souvent, je connais des
spectateurs qui sont allés voir les grandes rétrospectives, qui m'avaient dit, voilà, je viens quelques minutes voir ce que c'est, pour voir ce que ça donne, je vais voir deux, trois cinématons, et encore peut-être qu'un, voilà, très bien. Et les gens restent plusieurs heures, alors, ils sortent plusieurs heures après, en disant, jamais j'aurais cru que je resterais aussi longtemps, mais c'est les cinématons, c'est-à-dire que c'est comme du suspense, c'est-à-dire on voit un cinématon, et donc, alors, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais on se dit, n'importe comment, même si on ne l'aime pas, le cinématon qui va arriver juste après, ça va peut-être être le meilleur de la collection, le plus fort, donc on attend, il y a une attente perpétuelle, c'est-à-dire, chaque fois qu'on est dans un cinématon, on attend avec impatience l'autre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une sorte de suspense permanent. Et ça fonctionne complètement, surtout dans les rétrospectives comme ça, où c'est par ordre chronologique. Est-ce qu'on... dans le cas où vous filmez quelqu'un à un moment donné de l'histoire, est-ce que vous pouvez le cinématonner deux fois? Parce que oui. Vous avez parlé de Wim... Non, vous avez parlé de... Il y a Mordaire qui dit qu'il a été filmé... Quatre fois. Oui, quatre fois. Lui fait partie des personnes les plus filmées. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont été filmées plusieurs fois. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a entre une trentaine et une quarantaine. Donc sur l'ensemble, c'est quand même très peu. C'est vrai que ça m'intéresserait de peut-être filmer plus souvent des gens que j'ai déjà filmés. Mais... le plus important quand même pour moi, c'est quand même de filmer des nouvelles personnes. Donc il faut quand même rassembler ses forces pour ne pas trop se disperser. Et c'est aussi une question de temps, de moyens. C'est vrai que souvent je me dis, mais tiens, ce serait intéressant de filmer telle personne. Alors 25 ans après, ce serait formidable. Mais on ne peut pas tout faire dans la vie. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut se limiter. Et des fois, je regrette de ne pas filmer plus. Mais bon, déjà, c'est beaucoup. Chez moi, c'est une véritable cinémathèque. Je suis submergé par les films. D'ailleurs, vous voyez dans le film, là, les étagères de l'église, tout ça, et ça augmente, parce que ça, c'est où j'habite. J'ai une deuxième cinémathèque où j'ai des doubles de la plupart de mes films à 500 km à côté de Lyon, dans une maison familiale. Donc, ça prend des proportions gigantesques. Et, je ne sais pas jusqu'où ça va m'amener. Si on m'avait dit ça au départ, je ne l'aurais pas cru. Je ne savais pas, quand je me suis lancé dans cette aventure de Syrie, je n'imaginais pas du tout que ça irait si loin. Au départ, je ne pouvais pas imaginer, et personne même dans mon entourage imaginait ça. J'ai été pris comme ça dans mon propre jeu, j'ai été emmené comme ça par des forces secrètes, et je ne sais pas, extérieures, je ne sais pas, mais vraiment, je n'imaginais pas du tout. Au début, mon projet qui me semblait extrêmement ambitieux, d'ailleurs j'avais écrit un texte à l'époque sur les cinématons, quand j'ai débuté les cinématons, dans mon esprit c'était de filmer, d'arriver, alors j'imaginais pas d'être sûr d'y arriver, c'était de faire un film de 24 heures. Alors j'avais calculé, ça faisait 300 et quelques cinématons, et ça me semblait déjà quelque chose de complètement fou d'arriver à ça. C'était en 1978, c'était le projet ambitieux que j'avais à l'époque, et donc qui a été archi dépassé, donc vraiment jamais j'aurais imaginé... faire tout ça. Donc, comme quoi, on peut se surprendre soi-même. Quelquefois, on a des ambitions. Il y a des artistes qui ont des ambitions. Les ambitions, elles sont devant eux, ils n'arrivent jamais à les atteindre. Et là, je les ai dépassées. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est comme ça. Je suis porté par le film. Si vous voulez, je suis porté par le film. Et les gens qui sont filmés, si vous voulez, sont les meilleurs propagandistes des cinématons, parce qu'ils ont envie que leur cinématon soit montré, et donc ils en parlent à d'autres personnes, et ça fait boule de neige, quoi. Et donc les cinématons, depuis le début, donc, sont montrés régulièrement dans des festivals de cinéma, dans des cinémathèques, dans des musées d'art contemporain, sur des chaînes de télévision, c'est un peu dans le monde entier, et donc il y a des projections sans cesse, c'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé hein, de lever un jour au matin en me disant, tiens, il n'y a plus de projections qui sont prévues. Mon calendrier est vide, il n'y a rien qui est prévu. Non, ça, c'est jamais arrivé. Depuis que j'ai commencé, il y a toujours des projections en vue. Il y a toujours des choses qui sont dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, des fois dans six mois. Des fois, il y a des choses qui sont programmées un an à l'avance. Ça m'est jamais arrivé de ne rien avoir devant moi, au niveau des projections et de la diffusion. C'est très étonnant parce que, par ailleurs, j'ai fait beaucoup d'autres films. Et pour les autres films, il y a des films, on ne les voit pas pendant des années, ils sont dans des tiroirs, ils ne sont pas demandés. Ça, il y a... Il y a une demande perpétuelle, et je pense qu'à mesure que l'œuvre vieillit, entre guillemets, il y aura de plus en plus de demandes. Est-ce que tu as refilmé Galaxy par contre? Oui, j'avais filmé elle, c'est elle qui a été filmée le plus, elle a été filmée cinq fois les cinq premières années de sa vie.
La première fois qu'on la voit, elle a 7 mois, et à l'époque, elle avait été filmée, c'était pas une bébé comme les autres, hein, parce que pour être dans le cinématon, il faut faire partie des arts et du spectacle. À l'époque, bon, elle était, c'était la fille d'un comédien qui s'appelle Joël Barbeau, qui a joué dans pas mal de films, de cinéastes assez importants, comme Philippe Garrel et beaucoup d'autres. Et elle, elle posait à l'époque pour des magazines pour bébés. Elle avait fait même la couverture d'un magazine pour bébés à l'époque. Bon, et puis, comme le dit Georges Mandex, après, c'est elle qui a été choisie par Romer pour jouer dans L'Arbre, la médiathèque et l'instituteur. L'Arbre, le maire et la médiathèque. Et la, voilà, c'est ça. Donc elle joue un rôle pivot dans le film. Et c'est pas grâce à moi. Non, parce que Romer aurait pu voir ce cinématon-là et dire, bah tiens, je la veux. En fait, non, parce que le père de Joël Barbeau, son père connaissait Romer, ça s'était comme ça. Et ça aurait pu être... Il y a des gens qui ont été choisis dans des films, justement, grâce à leur cinématon. Ce qui n'est pas le cas de Sandrine Bonner. Hein. Non, mais que j'ai été la première personne à filmer avant À nos amours de Kiala. Mais quand je l'avais filmé, Kiala l'avait déjà contacté, et donc il était question fortement qu'elle doive jouer dans À nos amours. Mais je suis même le premier à l'avoir filmé. Elle avait 15 ans. Quand vous filmez une personne, est-ce qu'elle revient systématiquement ce que vous avez filmé ou de voir son propre cinématon. Alors, chaque fois que je fais chaque fois que je filme des personnes, je leur dis, voilà, je préviens dès qu'il y a une projection. Donc, je les invite quand il y a une projection. Alors, quelquefois, les projections, c'est pas à Paris, donc c'est difficile de les prévenir. Avant, chaque fois que je faisais des cinématons, par exemple, quelques mois, j'en faisais des projections des 30 nouveaux cinématons. Il y avait une salle de cinéma qui est le studio 43 qu'on voit dans le film, qui a programmé pendant 10 ans régulièrement les cinématons. Donc chaque fois qu'on avait des nouveaux cinématons, ils étaient projetés régulièrement. Donc là, c'était beaucoup plus facile de faire venir les gens. Et les gens que je filmais à Paris, les personnes que j'ai filmées dans des festivals un peu partout dans le monde, qui habitent dans, un peu partout, là, c'était plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, je préviens les gens. Alors, il y a une partie des personnes filmées qui me disent, moi, je suis très content d'avoir fait le cinématon, j'adore ça, mais ça ne m'intéresse pas d'aller me voir. D'autres, ils disent, alors je vais absolument me voir. C'est très, alors, il y a vraiment des réactions très différentes selon les gens. Et n'importe comment, donc, systématiquement, je les préviens. Ils viennent ou ils ne viennent pas. Voilà, c'est... bon, et puis, n'importe comment, il y en a qui passent à la télévision, donc s'ils ne se voient pas dans un cinéma, ils peuvent toujours se voir un jour à la télévision. C'est... voilà. Mais ça fait partie de... Je dirais, c'est le dernier maillon de la chaîne, ça fait partie du dispositif. C'est que la personne filmée puisse se voir. Parce que les réactions sont très différentes selon les gens. Je dirais que pour chaque personne, il y a une réaction différente. Ça va de la réaction de gens qui ne se supportent pas, qui disent, voilà, c'est une catastrophe, tout ça, bon, ça. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je suis génial dans le cinématon. Et ça n'a rien à voir avec la qualité du cinématon. Hein. Les cinématons qui sont considérés parmi les plus géniaux, la personne se trouve moche, nul, tout ça, alors tous les gens disent mais non, mais c'est extraordinaire le cinématon, il y a une vérité, il y a une authenticité qui passe dans le film, et puis il y en a d'autres qui font des cinématons un peu, légers, enfin qui sont pas très, un peu légers, quoi, qui sont pas très profonds, tout ça, et la personne se trouve exceptionnelle, se trouve vraiment extraordinaire. Donc le rapport qu'on a, chaque personne, le rapport qu'on a à sa propre image, est un rapport complètement différent. Je cite souvent, c'est un cas qui a existé et qui est célèbre, de Marilyn Monroe, elle ne supportait pas son image. C'est-à-dire qu'elle était persuadée qu'elle était toujours mauvaise dans les films. Et ça, c'est même un problème psychanalytique. À la limite, quand c'est poussé jusque-là, considérant que comédienne, pense qu'elle est aussi mauvaise. Et bon, c'est un exemple limite, si vous voulez. Mais ça l'a même conduit à la mort, parce qu'elle ne se supportait pas. Donc ça peut aller très loin. Donc moi je suis confronté à ça à chaque fois, parce que quand je fais des projections et que des personnes viennent se voir, donc je sais qu'il va y avoir une infinité de réactions des personnes filmées. Hein. Mais cela dit, jamais personne n'a interdit que son cinématon soit projeté. Bon, ça fait partie des règles du jeu que le cinématon soit projeté. Parce qu'il y a, comme vous avez vu, il y a un numéro, tout ça, donc on ne peut pas enlever les cinématons, on ne peut pas censurer les cinématons. Donc les personnes filmées au départ savent que ça va être projeté. Et d'ailleurs, même des gens qui se disent oh, « bon, mon cinématon n'est pas très bien, mais tant pis », ils ont vraiment envie que leur cinématon soit vu. Parce que comme je filme un milieu qui est très narcissique, le milieu du spectacle, ils ont quand même envie que leur cinématon soit montré le plus possible.
Et jamais personne m'a interdit de montrer son cinémathon. Au contraire, les gens se plaignent quelquefois que leur cinémathon n'est pas assez vu. Et d'ailleurs, il ne peut pas le savoir, puisque les projections ont lieu aussi bien en province qu'à l'étranger. Donc, il ne peut pas savoir si leur cinémathon est vu ou pas, parce qu'ils ne sont pas au courant de projections. Je ne sais pas s'il y a une projection, je ne sais pas, à Rome. Si on habite, je ne sais pas, à Bruxelles, on n'est pas censé savoir les cinémathons qui vont passer à Rome, évidemment. Pourquoi limiter ça, en fait, au milieu de l'art et du spectacle, en fait? Oui, oui. Alors, bon, évidemment, là, c'est comme je disais tout à l'heure. J'ai écouté les préceptes du président Mao, qui, quand il a fait sa révolution culturelle, il avait bien expliqué un certain nombre de bases fondamentales qui peuvent être réutilisées dans l'art, que j'ai réutilisées, mais je suis pas le seul, quand il disait qu'il faut bien recentraliser ses forces, il ne faut pas s'éparpiller. Et c'est vrai qu'au départ, j'aurais pu filmer n'importe qui, c'est-à-dire filmer n'importe qui dans la rue, aussi bien, je ne sais pas, mon boulanger, gardien de prison, enfin n'importe qui. C'est vrai que c'était possible. Mais ce qui m'intéressait, quand je me suis lancé dans cette aventure, c'était de filmer, disons, de concevoir, de créer une mémoire sur le milieu artistique. Car je m'étais aperçu qu'il existait, par exemple, que très peu de documents cinématographiques sur des grands personnages de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire des grands philosophes, des grands écrivains, etc. Souvent, il y avait très peu de choses, quelquefois rien, ou des très grands peintres, il n'y avait aucun document cinématographique sur eux. Et ça, je trouvais ça incroyable que des artistes qui étaient contemporains du cinéma, il n'y avait rien sur eux. Et moi, ça me travaillait beaucoup. Et comme à l'époque, dans les années 70, je connaissais beaucoup de jeunes artistes qui étaient des amis, dont je me disais, peut-être dans le lot, il va y avoir des grands peintres qui vont être reconnus, et peut-être parmi eux, il y en a qui vont mourir jeunes, il n'y aura aucune image d'eux. L'idée m'est venue de les filmer eux d'abord. Donc, en me disant, voilà, je les filme, il va rester quelque chose au niveau cinématographique de ces artistes. L'idée partait de là, c'est-à-dire conserver, c'était modeste comme projet, conserver une mémoire cinématographique de ces artistes qui m'entouraient. Voilà, c'était vraiment ça au départ. Donc, il ne m'était pas venu à l'idée, si vous voulez, de filmer le commun des gens. C'était vraiment, dès le départ, c'était ciblé dans ce milieu artistique. C'était le milieu qui m'intéressait. Non pas que les autres milieux ne m'intéressent pas, mais ce milieu m'intéressait plus. J'aurais pu filmer le milieu du sport, par exemple. Si j'avais été un fanatique de politique, filmer que des gens de la politique, ça pouvait être très intéressant. Vous imaginez d'avoir des cinématons de Mitterrand il y a 30 ans, etc. Bon, c'était quelque chose, ça pouvait être quelque chose de très intéressant aussi. Et moi, je me suis limité à ce milieu-là. Et en fait, je le regrette pas, parce que c'est très utile. Je m'aperçois que c'est très utile, parce que de plus en plus souvent, on me demande des images de ces personnes que j'ai filmées, quelquefois il y a presque 30 ans. Parce que souvent, même sur les années 70, il y avait très peu de choses sur des artistes d'avant-garde, par exemple, il y avait très peu d'images sur eux. Les télévisions ne s'intéressaient pas. Voilà. Donc au moins, il existe des cinématons. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que la personne qui est filmée décide. Est-ce qu'elle regarde la caméra ou est-ce que c'est avec la place ou quatre? Alors, donc, toutes les règles que j'explique, c'est-à-dire le gros plan, la durée, tout ça, bon, ça c'est moi qui les impose. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges très précis, voilà, qui existe. Et la grosseur du plan, tout ça, vous avez vu, c'est toujours un gros plan, un peu style photo d'identité. Hein. Bon, ça, là-dessus, on ne peut pas déroger. Et à partir de là, les gens sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont des règles qui sont imposées. À ces règles-là, on ne peut pas y déroger. Mais quand toutes ces règles sont bien établies, après, la personne fait absolument ce qu'elle veut. Et il y en a qui se sont amusés à, si vous voulez, à remettre en question le concept du cinématon, à essayer de le renverser, tout en restant dans ces règles-là. Donc il y a des gens qui ont imaginé un dispositif, des fois subtil, mais tout en respectant ces règles-là. C'est-à-dire ces règles-là, on est obligé de les respecter. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne me dit « moi je voudrais un cadre comme ça, un très grand cadre », non, c'est pas possible. Le cadre est toujours le même. Si quelqu'un me dit, moi je voudrais que ça soit que 2 minutes au lieu de 3 minutes 25 secondes, je leur dis non,
c'est la durée, elle est pour tout le monde pareille. Ou si quelqu'un me dit, moi je voudrais que ça soit en sonore, j'en ai non, c'est en muet pour tout le monde. Ça, ces règles-là sont intangibles depuis le premier cinématon. C'est-à-dire, ce qui était intéressant, c'est de ne jamais changer les règles. C'est-à-dire qu'à aucun moment, depuis le départ, les règles ont changé. Et si j'avais changé les règles, ça foutait en l'air tout le concept de série. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que je peux, par exemple, si je fais une sélection, je peux aussi bien montrer un cinématon de 1980, avec un cinématon de 1990, avec un autre de 2000. Tout ça s'harmonise, il y a parfaitement. Donc ça, c'était très important que les règles soient strictes et qu'elles ne changent pas. Bon, il fallait mettre au point les règles au départ. C'était ça le plus compliqué dans l'histoire. Et en fait, au départ, j'avais différentes idées. J'avais même beaucoup d'idées. Et le problème du cinéma, bon, à l'époque, il n'y avait pas la vidéo. Avec la vidéo, on peut faire des essais, on peut s'amuser à faire des essais. À l'époque du cinéma, il y avait pratiquement que le cinéma. Financièrement, ce n'était pas possible de faire des essais. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai commencé le cinématon, il fallait quand même que le dispositif soit parfait et fonctionne. Donc, j'y ai réfléchi assez longtemps. Je pense que j'y ai réfléchi pendant 2 ans avant de commencer le premier cinématon. Cela dit, si ce concept n'avait pas fonctionné, quand il y a eu les premières projections, par exemple, j'ai fait le premier cinématon le 7 février 1978, et la première projection a dû avoir lieu le début mai 1978, et je projetais les 9 premiers cinématons. C'était le premier test. Si jamais ce concept n'avait pas fonctionné, alors à ce moment-là, j'aurais peut-être changé le concept, j'aurais annulé les premiers et j'aurais changé le concept. Mais il s'est avéré que ce concept fonctionnait parfaitement. C'est-à-dire que pour moi, pour savoir qu'un concept fonctionne, il fallait que le film soit proposé au public et à partir de là, voir les réactions du public, voir si ça fonctionnait ou pas. Il s'est avéré que ça fonctionnait tout de suite. C'est-à-dire que dès les premières projections, il y a eu une réaction incroyable de salle de projection, il y avait une communion des spectateurs avec l'écran. C'est-à-dire qu'il se passait des choses incroyables, c'était pratiquement du happening dans la salle. C'est-à-dire que il y avait une communion, disons, entre le spectateur et ce qu'il voyait sur l'écran. Et ce qui d'ailleurs dépassait même ce que je pensais. C'est-à-dire, au départ, je pensais que les spectateurs qui allaient voir les cinématons seraient peut-être un peu distants. Et je pensais que les cinématons seraient mieux reçus quelques années après. Il fallait un certain recul. Mais pas du tout. Ça a fonctionné dès le départ, dès la première projection. Ça a été incroyable. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. Voilà. Donc le concept fonctionne. Et s'il n'avait pas fonctionné, j'aurais changé et j'aurais annulé tous les premiers cinématons. Mais je pense que j'y avais suffisamment pensé. À l'époque, j'écrivais beaucoup sur le cinéma. Et bien après, j'ai retrouvé les textes que j'avais écrits, par exemple, en 1976, sur Andy Warhol et Chantal Akerman, qui faisaient un travail sur la durée. Et je me suis aperçu que j'annonçais, sans le savoir du tout, j'annonçais les bases 2 ans avant des cinématons. Donc ça travaillait beaucoup, hein. J'y réfléchissais beaucoup. Parce que quand on n'a pas les moyens financiers de faire des essais, le jour où on se jette à l'eau, faut pas se tromper. Bon, maintenant c'est complètement différent avec de la vidéo, vous essayez quelque chose, ça fonctionne pas, vous le refaites, tout ça. En même temps aussi c'est un piège, parce que quand on a plein de possibilités de refaire, souvent c'est là qu'on n'arrive pas à faire les choses. C'est-à-dire que quand on a des contraintes très difficiles, c'est souvent là qu'on arrive à découvrir les choses. Si la nouvelle vague a existé, c'est parce qu'ils avaient un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'ils avaient moins d'argent pour faire les films, donc il fallait qu'ils fassent des films en extérieur, ils n'avaient pas les moyens de se payer des studios, ils n'avaient pas les moyens de se payer des stars, donc souvent ils ont filmé des jeunes qui n'étaient pas connus, comme Belmondo par exemple, Bernadette Lafont, etc. Donc d'avoir ces contraintes-là financières, ça les a obligés à inventer un nouveau cinéma. Donc les contraintes, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est négatif. Au contraire, c'est souvent très positif pour la création. Et ça, c'est très important de garder ça quelque part dans le fond de votre tête, parce que souvent, on s'imagine qu'à cause des contraintes, on ne peut rien faire. Souvent, c'est le contraire. Et ça, vous vous en rendrez compte dans l'avenir, comme ça, c'est souvent les contraintes, moi je dirais c'est un avantage. Je ne sais pas si on continue là-dessus, parce que par rapport à notre calendrier, ça va, on est bon, on peut discuter encore combien de temps à peu près sur le film, là. Parce que ça dépend s'il y a encore des questions. Oui, s'il y a une question. Justement, vous parliez de cette communion là entre le public et l'image, et je voulais savoir comment se passent les projections au cinéma des cinématons. Est-ce que c'est comme dans l'espace 43, c'est ça, ben là, il y a le studio 43. Oui. Est-ce que c'est toujours des réactions aussi vives? Est-ce qu'il y a toujours de l'ambiance dans la salle ou est-ce que c'est une écoute un peu silencieuse
Alors, j'ai assisté à de nombreuses séances de cinémathon et c'est vraiment des expériences uniques. Bon, il y a des projections qui sont plus calmes, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus calmes, mais la plupart des projections auxquelles j'ai assisté sont en général très mouvementées, avec des tas de gens qui réagissent, qui rigolent, qui parlent, qui lancent des plaisanteries. C'est un peu le côté Rocky Horror Picture Show, là où tout le monde participe dans la salle. C'est un peu ça. Puis alors, il faut dire une chose aussi, que Gérard ne dira peut-être pas par modestie, c'est que tu assistes... d'ailleurs, oui, ça j'allais dire, mais tu assistes presque toujours... Enfin, moi, j'ai toujours vu des séances où tu assistais aux projections. Et Gérard met de l'ambiance en plus, c'est-à-dire qu'il fait des commentaires pendant la séance, à certains moments, en disant oh, regardez celui-là comme il est nul, regardez non, il se cache. Non, je ne peux pas le dire, non, mais... ça. J'ai un droit de réserve en tant que concepteur du projet. Et regardez les grimaces qu'il fait, je ne sais pas, des trucs comme ça. Quoi. Et en général, alors, ce qui est amusant, c'est que moi j'ai assisté à deux types de projections de cinémathon. C'est des projections devant des publics non prévenus, des publics qui découvrent les cinémathons pour la première fois. Alors là, effectivement, il y a une certaine, il y a un certain temps d'adaptation et l'ambiance ne vient pas forcément tout de suite, quoi, parce que les gens... Ils arrivent à situer par rapport à ce qu'on leur montre. Mais il y a aussi des types de séances de cinémathon devant un public déjà averti, c'est-à-dire des gens qui connaissent le principe et qui viennent parce qu'ils ont envie de voir des cinémathons. Et alors là, en général, l'ambiance est très très rapidement très très chaude. Oui, alors il y a aussi des projections il y a des projections où il y a une partie de gens qui connaissent tout ça, qui commencent à plaisanter tout ça. Et puis, dans la salle, il y a aussi des gens qui sont là, qui sont venus voir une œuvre d'art. Alors là, ils veulent le calme. Et des fois, les gens s'engueulent dans la salle en disant « taisez-vous », tout ça. Et ceux qui parlent engueulent les autres, tout ça. Donc, il y a aussi quelque chose qui se passe aussi dans la salle. Et quelquefois, c'est vraiment c'est étonnant. Et... mais aussi, c'est différent selon les pays. Hein. En Suisse, par exemple, les gens sont très calmes dans les projections. Et je me souviens d'une projection à La Chaux-de-Fonds, dans le Jura suisse. Et donc, il y avait quelques aficionados là, qui étaient là, qui ont commencé à mettre de l'ambiance. Et puis, une majorité de gens, là, les jurassiens purs et durs, pur sucre, et qui étaient très sérieux, là. Et donc, ils ont commencé à s'engueuler en disant, alors sortez, vous faites du bruit, on peut pas voir le film, tout ça. Et là, j'aurais dû enregistrer parce que c'était très étonnant. Mais aussi, ce qu'il faut dire, chaque séance a des réactions différentes. D'une part, parce que les cinématons qu'on projette sont différents. Et puis l'ordre dans lequel on les montre sont différents aussi. Donc ça donne des types de réactions, différents types de réactions. C'est tout le temps différent. Quoi. Mais il y a eu des séances, c'était vraiment de la folie. Quoi. C'était des happenings dans la salle. Et je me souviens même d'une séance... Alors c'est très ancien, je me souviens même, Catherine Millet était venue, c'était en 78, et à la fin, il n'y avait même plus d'écran. C'est-à-dire que c'était de la folie, c'est-à-dire qu'il y avait deux personnages qui avaient quitté la salle, ils étaient allés devant l'écran. Et ils imitaient tout ce qu'ils voyaient, les personnages, tout ça. Alors c'était à mourir de rire, parce qu'on se retrouvait vraiment au début du cinéma. Et à la fin, il y en a un qui est allé chercher un escabeau, qui a décroché l'écran, et le film continuait derrière, il n'y avait plus d'écran, tout ça. Mais les gens pleuraient de rire, quoi. C'était un truc incroyable. Et voilà, c'est quelque chose. Là, finir la projection sans écran, c'est quand même le summum. Et tout en ce que et vraiment, les spectateurs étaient heureux. Quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'écran, normalement, les spectateurs ne sont pas heureux. C'est un échec. Là, non, au contraire. Mais il y a aussi des séances qui sont très calmes, relativement calmes, avec une concentration très forte. Des spectateurs. Et il y a une chose qui est très intéressante à constater, c'est que quand vous avez, vous assistez à une séance où il y a, disons, une heure et demie de cinémathon qui sont projetés les uns derrière les autres, comme ça, et que l'ambiance est relativement calme et concentrée, ce qui est extraordinaire, c'est de constater les réactions, enfin, l'ampleur des réactions par rapport à la
comment dire, par rapport à la petitesse des événements. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que quand une salle est bien concentrée, il peut suffire parfois sur, dans un portrait de cinématon d'un clignement d'œil pour déclencher une hilarité générale ou déclencher un « oh » général. C'est-à-dire que les moindres accidents de physionomie, un clignement d'œil, une bouche qui se tord dans un coin, une tête qui se tourne alors qu'elle était droite, etc. Tout d'un coup, c'est un événement comme si c'était le surgissement de King Kong. Non mais c'est très passionnant parce que ça montre que ces événements infimes du visage humain sont d'une profondeur abyssale et qu'en fait on est... On peut se passionner pour les mouvements du visage, comme ça, même les plus infimes, et ça devient aussi passionnant qu'une histoire, qu'un film d'action extrêmement mouvementé. Parce que là, vous avez vu les cinématons sur un petit écran, mais quand c'est projeté sur un très grand écran, oui, c'est ça. C'est comme si on regardait un visage au microscope, quoi. Donc le moindre détail prend des allures, des déferlements, comme ça. Est-ce que ça doit rester sur le visage? Est-ce que la personne vraiment... Bon alors d'accord, il y en a qui se décadrent, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, qui vous ont demandé de filmer en étant assis, puis qui se sont levées, et qui font vraiment des choses avec leur corps plus qu'avec le visage? Oui, il y a des gens, oui. Alors, le cadre, lui, ne bouge pas, mais la personne peut faire ce qu'elle veut. Donc par exemple, je pense au cinématon de Jacobois, où il est nu, il arrive à se montrer entièrement dans un cinématon, dans un cadre aussi restreint. Ça paraît incroyable, mais... Voilà, oui. Donc, en fait, les règles sont très strictes, mais on peut faire énormément de choses, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté l'expérience en cours des 3 minutes 20? Ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont sentis comme... on voit quelqu'un qui se lève, enfin, qui se sentait violé? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent... Ah bah non, là, celui qui se lève, c'est Dominique Noguès, justement, il veut faire un effet. Il veut faire un effet, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont... Alors, il y a plusieurs personnes qui ont quitté l'image, pratiquement à 99%, ils veulent créer un effet de hors-champ, c'est-à-dire qu'ils quittent l'écran, donc la caméra continue à filmer l'espace vide, et donc ça crée un vide, et le spectateur attend, mais quand est-ce qu'il va revenir, tout ça. Donc il y a une attente encore plus forte, donc c'est un effet. Alors, ce qui est amusant, c'est que les personnes qui quittent l'écran, en général, reviennent toujours. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je crois que c'est une seule fois, une comédienne qui a craqué, je ne sais pas, au bout d'une minute, elle est partie. Elle a réellement craqué, elle est partie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a dit « je craque, je ne peux plus », et elle est quand même revenue avant la fin. Alors je pensais qu'elle ne reviendrait jamais. Donc, voilà. Là, c'était involontaire, elle était partie involontaire. Autrement, les autres partent, c'est toujours volontaire, ils veulent créer un effet de hors-champ, enfin, en disant « voilà, moi je suis un mec important, attendez-moi, je reviens enfin, ». Voilà, c'est la force du hors-champ, bon, ça, je pense que vous avez dû en parler souvent, c'est, au cinéma, souvent, le hors-champ est plus important que le champ, mais ça, ça fait partie du béaba du cinéma. Oui. À un moment, sur une de vos étagères, il y a un archivage où il y a écrit Wells, Warhol... Et vous les avez vraiment cinématonnés ou... Non, eux non. Non. Là, c'est des documents, là, donc, ce sont des archives, donc ce sont plein d'archives sur soit des gens que j'ai filmés, mais aussi, soit des gens qui m'intéressent. Donc, dans ces archives-là, c'est des dossiers, donc ce sont des dossiers de presse, des catalogues d'artistes, des photos, des lettres, toutes sortes de choses qui sont, donc, consacrées aux gens que vous voyez qui sont là. Donc, une grande partie, ce sont des gens que j'ai filmés, mais pas seulement. Et on a pensé à Noël, je ne l'ai pas filmé. Je ne l'ai d'ailleurs jamais croisé. J'aurais pu le croiser un jour. Par contre, j'ai filmé sa femme, Oya Kodar, qui est une femme extraordinaire, qui est d'ailleurs la personne qui s'occupe de son œuvre. C'est elle qui s'occupe de la restauration de ses films, enfin, tout ça. Oya Kodar, qui l'avait rencontré pendant le tournage du procès, qu'il allait tourner. En Yougoslavie, et pour être même plus précis, dans la partie à l'époque c'était Yougoslavie, c'était en Croatie. Et à l'époque, Oya Kodar, elle avait 20 ans, hein, elle était speakerine à la télévision yougoslave à Zagreb. Voilà, c'est là qu'il l'avait rencontrée. Et c'est vraiment une femme extraordinaire.
Donc, Oya Kodar, je l'avais filmé en 86, mais Orson Welles n'était pas là, malheureusement. Donc, je me suis contenté de sa femme, qui est vraiment un personnage. D'ailleurs, vous la voyez dans Vérité et mensonge, entre autres, et dans d'autres films de Welles aussi. Maintenant, j'ai malheureusement pas filmé François Mitterrand, mais j'ai filmé Frédéric Mitterrand. J'ai pas filmé André Malraux, mais j'ai filmé son fils Alain Malraux. Il y a comme ça des choses. Mais il y a des gens qui sont persuadés que j'ai filmé Mitterrand, puisque j'ai filmé Frédéric Mitterrand. Donc. J'ai filmé Jean-Paul Aron, le philosophe, et ils sont persuadés que j'ai filmé Raymond Aron, qui a été l'un des deux, enfin, pratiquement le plus grand philosophe du XXe siècle. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous filmez plein de gens et que plein de gens sont connus, on s'imagine que vous avez filmé tout le monde. Alors qu'à un moment, vous avez filmé Depardieu, je dis non. Ah bon, vous avez filmé Catherine Deneuve? Non, mais c'est pas possible. Et donc, voilà. Et il y a tellement de gens à filmer. Et puis les cinématons, ce n'est pas seulement des personnalités françaises, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnalités de tous les pays. Je pense au moins avoir filmé des gens de à peu près 80 nationalités. Donc, il y a encore comme. Il y a pratiquement 200 nationalités à l'ONU, donc vous vous rendez compte, il y a des gens de certains pays qui ne sont, pas dans le cinématon. Voilà, donc c'était. On passe à la suite peut-être, hein, parce que. Allez, sortez, d'accord. On va faire la liste des contraintes, parce que comme disait Jean-Marc, s'il y a des contraintes, il y a un cahier des charges. Voilà, il y a un cahier des charges, et plus on a de contraintes, plus on est créatif. Enfin, disons qu'on peut défendre cette... Alors, d'abord, on va... Alors, vous allez travailler par groupe de deux ou trois. Affinité ou c'est... Oui, par affinité. On n'impose pas. Pour hasard, comme ça. Alors, ben, je ne sais pas, à vous maintenant, vous pouvez partir, je ne sais pas. Allez-y. Je sens peut-être que vous voulez assurer une bonne valeur. Voilà. Alors, en termes de caméra, moi j'en ai quatre ici. J'en ai quatre que je vais vous prêter. Donc, je ne sais pas, je suppose que... Donc, il y a... Il faudra avoir un cassettes. J'ai des cassettes. J'ai des cassettes vierges, je n'ai pas de problème. Donc, je ne sais pas, bon, il y a la tienne, Maxime. Oui, mais est-ce qu'il faut du son? Pardon? Est-ce qu'il faut du son? Oui. Mais... Oui, mais, enfin... Il est de très mauvaise qualité. Non, mais ça... C'est pas grave. Disons que le son direct... Le son direct sera conservé, quel qu'il soit, c'est-à-dire... Alors, bon, donc des groupes de deux ou trois à vous de vous organiser, et je pense qu'en termes de caméra, ça devrait suffire. Donc Maxime en a une, toi t'en as une. Ici aussi. Moi, il faut que j'aille la chercher chez moi, je peux la prendre. Ouais, d'accord. Bah, de toute façon, je pense que si on arrive à 7, 7 fois 3, ça fait 21. Si on arrive à 8, 7 ou 8 caméras, ça devrait aller. Hein, de toute façon. On s'arrangera pour que... Enfin, on veillera à ce que tout le monde ait des cassettes. Je pense que ça devrait être bon. Donc, voilà. Alors, le sujet lui-même, je vais parler sous le contrôle de Gérard. Hein, si tu dis des bêtises, n'hésite pas. Je ne me permettrai jamais de te contredire. Alors, le sujet, c'est choisir une rue. De Nantes, d'ailleurs, vous pouvez aller arroser si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez le temps. Donc, voilà, choisir une rue de Nantes et en faire un portrait. C'est à la fois précis et vague, c'est-à-dire que c'est à vous de vous demander comment on fait le portrait d'une rue. Ça, c'est votre. Notre de manche. Bon, mais c'est pas tout, il y a d'autres contraintes. Parce que ça, c'est seulement le sujet. Mais il y a une contrainte. Alors, la première contrainte, c'est une contrainte de durée. La durée doit être inférieure ou égale à 3 minutes.
Peut-être même qu'on pourrait être plus précis, mais je veux dire 3 minutes. Ah bon, exactement 3 minutes. Peut-être que ça serait plus fort encore. Exact, d'accord. Donc la durée, 3 minutes. Exactement. Donc vous n'avez pas le droit de faire 2 minutes 50, ni 3 minutes 10, vous avez 3 minutes. On va dire avec une marge d'erreur de 5 secondes, parce qu'avec les caméras vidéo, c'est pas simple. Donc une durée fixe, un nombre de plans donnés aussi. Le nombre de plans, c'est 10. Pas 9, pas 11, voilà. C'est 10. 10 plans. D'accord ? Ensuite, il y a une autre contrainte, c'est que vous devez obligatoirement procéder en tournée-montée. Pas de montage. Pas de montage. Pas de montage. Et pas le droit. Pas le droit de rembobiner. On ne peut pas revenir en arrière. De revenir en arrière. Donc, vous n'avez pas le droit, à l'erreur. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous raisonniez comme si votre caméra vidéo, c'était pas une caméra vidéo, mais c'était une caméra de 35 ou de 16 ou de Super 8. Hein. Vous pouvez, une caméra de cinéma, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas effacer ce que vous faites. Ah non, là c'est qu'une seule prise. La règle du jeu, alors mais c'est la règle du jeu, c'est que vous faites 10 plans, et ce sont 10 plans à chaque fois, donc des plans différents, mais vous pouvez pas les faire plusieurs fois en vous disant bah, je vais garder le meilleur. Vous devez filmer 3 minutes, c'est pas 4 minutes, 5 minutes, c'est 3 minutes en 10 plans. Là, bon, la liberté que vous avez, c'est que chaque plan, vous pouvez les faire durer ce que vous voulez. Si vous faites une moyenne sur 3 minutes, ça fait une quinzaine de secondes par plan. Alors il y en a peut-être qui vont faire 10 secondes, d'autres 20 secondes, ça vous êtes libre. Et il y a aussi l'histoire du pied. Oui, c'est pas tout. Oui, ça va finir. Cela dit, Julie, pour répondre à ta question, si dans votre groupe, vous faites un premier essai de 3 minutes et puis qui ne vous satisfait pas, en fait, vous décidez de recommencer d'en faire un autre, nous, on n'en saura rien. Hein. Nous, on veut simplement voir celui que vous nous montrerez. Hein. Si vous avez fait. Ça, là, c'est quand même plus compliqué, parce que là, tu es obligé à faire deux films, deux fois tout le temps. Alors, c'est pas tout, il y a d'autres contraintes. Alors, autre contrainte, c'est utiliser un pied. Ou si vous n'avez pas de pied, caméra quelque chose, ou de dire quelque chose qui soit enregistré dans la bande-son, si vous voulez vraiment travailler la bande-son, si je puis dire. Mais vous n'avez le droit que de la travailler en direct. Alors soit c'est le son réel, simplement de ce qui se passe autour, et si vous voulez parler, raconter des trucs, faire entendre de la musique avec un Walkman, je sais pas ce que. Alors après, ça fait pas partie des contraintes, ça fait partie de votre interprétation des choses. J'ai quelques micros, s'il y en a qui veulent utiliser un micro supplémentaire, je peux vous prêter ce micro. Attendez, il ne faut pas que je perde le fil parce qu'il manque encore quelque chose. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, une contrainte, ben, je vais le rajouter ici, là. Sur les 10 plans... Il y en a un obligatoire, c'est la plaque de la rue. Ah oui. Ah oui, oui. Bah, et alors vous n'êtes pas obligé de le mettre au début, hein, vous le mettez n'importe où dans les 10 plans, mais il faut à un moment obligatoirement qu'on voit le nom de la rue. Oui. Oui. C'est le plus important. Bah, oui, c'est un peu le temps. Que vous avez donné. Voilà. Parce que vous n'avez pas 15 jours pour faire ça. Voilà. Vous avez que de 2 heures à 5 heures. Ouais. Enfin, du moment où on s'arrêtera, c'est-à-dire. Vous avez mangé, et après manger, disons, après à 5 heures. On se retrouve à 5 heures. Mais à 5 heures précises, hein, c'est pas 6 heures. Non, parce que. On risquerait de ne plus être là. Ah oui. Donc, fin à 17 heures. Le son sera écouté, donc fin à 17h. De toute façon, à 17h, il fera nuit. Alors, il y a aussi une chose. Oui, c'est important. Mais on peut imaginer qu'un groupe, enfin deux groupes,
choisissent la même rue, pourquoi pas. Bah oui, là, on n'a pas... C'est pas... On aurait pu pousser plus loin encore le concept en demandant de filmer une seule rue et chacun à sa manière. Mais là, vous êtes libre de choisir la rue que vous voulez. On aurait pu aussi tirer au sort sur le plan de Nantes, pour chaque groupe. La rue, tirer au sort, ça aurait été... Le monde du monde général. Oui. Ah bah oui. Pas de problème. Sinon, vous essayez que les plans soient nets, enfin nets si vous voulez qu'ils soient nets. Je veux dire, de ne pas faire de flou involontaire, de ne pas faire de choses... Ah ben non, c'est pas forcément des plans fixes. Non, non. Voilà. Est-ce que est-ce qu'on a tout dit, je pense, en couleur Ouais. Quoique, avec les caméras, on peut regarder en noir et blanc. Oui, ouais. Qui... en tournage. Ah ben, en tournage, oui. Mais si vous voulez... On peut tourner en noir et blanc aussi, oui. Oui, on peut tourner en noir et blanc. Oui, bien sûr, on peut tourner en noir et blanc. C'est possible, oui, ça... On a le droit. Ah non, on a le droit de tourner en noir et blanc. On peut leur donner l'autorisation, hein. Oui. C'est amusant. Oui, oui. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions bizarres des caméras. Vous pouvez même tourner, là, ce serait encore plus intéressant. En négatif. En vidéo, l'effet est moins bon de tourner en négatif. Mais en cinéma, l'image négative est beaucoup plus belle. En vidéo, c'est moins évident. Pourquoi pas tourner aussi en négatif, hein. Oui, ça fait partie de votre marge de manœuvre. Utiliser les ressources des caméras. Tu connais un film qui a été tourné entièrement en négatif? Entièrement, non, je suis pas sûr. Je connais des. Eh ben, tu vas en découvrir un bientôt à Beaubourg, à l'occasion de l'intégrale, la première intégrale de l'œuvre de Godard, qui ne vous manquera absolument rien. Godard, en 1968, a fait un court-métrage qui s'appelle Anticipation, dans un film à sketch, qui est un film très rare, que moi-même je n'ai jamais vu, mais je sais que c'est un film qui est entièrement en image négative. Donc il va passer là, parce que c'est une intégrale. C'est-à-dire que personne jusqu'à maintenant au monde a pu faire l'intégrale de Godard. Et là, le Centre Pompidou, il travaille maintenant depuis 2 ans et ça commence dans 2 mois. Et ça s'étale sur combien de temps? Ça va, je crois que ça commence en, je ne sais plus si c'est en mars ou en avril, et je crois que ça va jusqu'à l'été. Il y a plus de 140 films. Et d'ailleurs, entre parenthèses, bon, vous avez vu à l'aperçu, il y aura le cinématon de Godard qui passera dans cette rétrospective. Y a-t-il des questions? Naturellement, vous avez tout le temps pour constituer vos groupes, peut-être oui, au moment du déjeuner, je ne sais pas. Vous avez une idée des groupes, hein? Il y en a qui posent des questions. Est-ce qu'il y en a qui savent pas? Non, mais si vous savez, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui savent pas trop quel groupe ils voudraient constituer? Oui. Il y a combien de caméras exactement pour savoir s'il faut faire des groupes de 3? Bon, il y en a, si j'ai bien compris, il y en a au moins 7. Il peut y en avoir 8. Si c'est 8, tu peux. Oui, donc avec 7, ça fait 8. Non, 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 non. 8 caméras. Si ah, 8, éventuellement, oui, ça fait des groupes de 3, puis 1 ou 2 groupes de 2. Ouais. Bon, après, à l'intérieur du groupe, vous vous débrouillez, vous organisez. Hein. Ouais. Moi, ça devrait aller. De toute façon, on fera le point au moment où vous partirez. Quand je distribuerai le matériel, on verra bien si... Ok, alors, ensuite, on passe... Donc, on va passer alors, à un autre exercice de contrainte. Voilà, donc, c'est un film de... En 2002, j'ai fait un film sur un quartier de Lyon. Pour ceux qui connaissent Lyon, c'est le quartier de la Croix-Rousse, le célèbre quartier de Lyon, où j'ai fait... Donc le film s'appelle « Inventaire filmé des rues de la Croix-Rousse à Lyon ». Donc j'ai filmé toutes les rues, sans exception, donc du quartier de la Croix-Rousse. Donc je crois qu'il y en a 190 ou 195. Toutes les rues... Alors c'est bien expliqué au début du film, mais je vous le dis d'abord. Elles sont toutes filmées selon le même règle, on peut dire c'est des cinématons de rue, c'est proche de l'esprit de ce qu'on appelle les vues lumière, les vues qui étaient filmées par les frères Lumière, c'est-à-dire que
les frères Lumière, poser une caméra, donc par exemple, dans une rue, et à l'époque, la bobine durait 50 secondes, et donc ils filmaient pendant 50 secondes ce qui se passait devant la caméra. Bon. Donc, moi j'ai choisi quelque chose de plus court, de filmer chaque rue pendant 18 secondes. Donc, au départ, je filme la plaque de la rue, donc on sait quelle rue on a, et après, on a la rue pendant 18 secondes. Donc, j'ai mis ma caméra au début de la rue, et donc j'ai filmé par ordre alphabétique. Donc, c'est l'ordre le plus pur hasard, donc passe d'un quartier à un autre de la Croix-Rousse, c'est l'ordre alphabétique. Donc, le film, je crois, dure 54 minutes, donc on peut en voir une petite partie, je ne sais pas, on verra combien de temps. Voilà, donc pour vous montrer comme ça, c'est un exercice de contrainte, une contrainte comme ça. C'est. Suite à ça, on aura peut-être le temps d'en parler, mais peut-être pas, parce qu'on sera peut-être un peu pressé après. Suite à ce film-là, donc j'ai eu l'idée de faire un autre film sur Lyon, de filmer toutes les rues de Lyon, de faire un projet encore plus ambitieux, de filmer, je crois, il y a 1450 rues à Lyon. Donc de faire un film Lyon à 9 arrondissements, donc pour chaque arrondissement, de faire une partie. Donc je filme des rues de chaque arrondissement, donc il y a 9 parties de rues, et une dixième partie qu'avec les places de Lyon, il y a 204 places à Lyon, et une 11e partie qu'avec les ponts sur la Saône et le Rhône de Lyon. Donc ça fait un film en 11 parties, et qui dure aux alentours de 11h30 minutes. Voilà. Alors si vous voulez, l'inventaire de la Croix-Rousse, ça m'a servi, disons, comme une maquette, comme ça, pour imaginer un film futur. Donc, le projet global sur Lyon est un peu différent de ce que vous allez voir là, parce que j'ai affiné, j'ai essayé d'améliorer le système. Donc, alors, ce qui est très amusant, mais ça, c'est des particularités comme ça dans le cinéma, pour le film sur la Croix-Rousse, on avait trouvé de l'argent donc, pour faire le film, ce qui permettait de payer tous les gens qui ont travaillé sur le film. Par contre, le film sur Lyon, qui est un projet beaucoup plus ambitieux et, à mon avis, beaucoup plus intéressant, là, on n'a toujours pas trouvé d'argent. Mais je continue à le filmer, bon, pour l'instant, à l'autoproduit. Donc on en voit combien à peu près? Écoute, je ne sais pas, il est 11h15. Je pense que si on peut en voir, par exemple, peut-être un quart d'heure. Oui, il y avait des grosseurs de plans différents, justement, ce qui permettait après au montage d'avoir quelque chose de, disons,
des respirations, si vous voulez, comme des changements de rythme, un peu des changements de rythme, même si c'est que des plans fixes jusqu'à la fin du film, hein, ce qui permettait d'avoir une sorte de respiration, quoi. Donc quelquefois il y avait jusqu'à 4-5 prises différentes, hein. Et quelquefois je filmais une ou deux prises, puis je revenais le lendemain, j'en filmais une autre aussi, parce que j'étais pas satisfait de la lumière, par exemple, de telle ou telle rue, donc je revenais. Donc le maximum, je pense, c'est 5-6 prises pour une rue, mais il y en a d'autres où j'ai filmé qu'une seule prise. Ça dépend. Est-ce que les personnages que l'on entend, enfin, que l'on voit ou que l'on entend, c'est totalement naturel, ça a été par hasard, ou c'est vous qui avez demandé? Ah oui, non, c'est vraiment... j'ai demandé à personne, hein, à tout ce que vous entendez, c'est des choses qui sont prises sur le vif. Parce qu'il faut savoir, bon là, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais quand vous filmez dans la rue, là, vous allez le voir, hein, souvent il y a des bruits intenses. Si vous vous mettez dans un endroit très bien, vous avez une rue, il n'y a pas un chat, il n'y a personne, il n'y a pas une voiture, mais vous allez avoir un bruit épouvantable parce que juste derrière, il y a une voiture qui a son moteur, une voiture en livraison qui a son moteur, c'est absolument assourdissant. L'image est insupportable, inutilisable pratiquement. Il faut savoir que dans ce film-là, plus de la moitié des rues, on a refait entièrement le son. Le son à partir de son de la Croix-Rousse, hein, qu'on a pris dans la Croix-Rousse. Il fallait retravailler les sons, autrement c'était insupportable, c'était pas projetable. Donc, et le but, c'est de faire en sorte que le spectateur qui voit le film ne se pose pas la question. Il se dit, voilà, c'est du son qui est pris sur le vif. Et on a été obligé de beaucoup retravailler, mais ça, c'est général pour les gens qui travaillent dans des villes, en son direct. Souvent, il faut complètement retravailler le son parce qu'il y a un côté inaudible parfois. Alors, parfois, ça donne des choses intéressantes, mais souvent, je peux vous dire que c'est assourdissant. Alors, ça peut être intéressant pour une rue, mais si la moitié des rues, c'est que assourdissant, alors là, c'est insupportable et ça devient improjetable. On a l'impression que la caméra est toujours sur la chaussée. Oui, c'est possible, je prenais des risques. Oui, bien sûr, c'était dangereux. Parfois, oui. Je fais attention, mais... oui. Ben oui, parce que dans la mesure du possible, des fois je ne peux pas faire autrement, j'étais obligé de me mettre sur le côté, mais quand on est plus au centre, disons, ça donne... au niveau des lignes, parce que bon, une rue, hein, c'est des lignes de fuite qui vont vers l'infini, et donc si plus on filme au centre, plus les lignes sont harmonieuses. Voilà. C'est vrai, au niveau des images, il n'y a vraiment rien de manipulé, rien de mise en scène, c'est simplement saisi sur... Ah oui, là au niveau de l'image, oui, absolument. Oui. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de. Moi, en plus, j'étais tout seul, je faisais l'image et le son, donc je n'avais pas d'assistant qui pouvait diriger les acteurs, tout ça. Totalement des choses qui sont prises sur le vif. Est-ce que vous pensez que ça tient plus, comme vous avez dit, d'un inventaire qui pourrait servir, je sais pas, pour la municipalité par exemple? Ou est-ce que vous considérez ça comme un film expérimental? Non. Pour moi, c'est un film. C'est un film. Point. Alors, que ça puisse être utile pour la municipalité, pourquoi pas. Que ça puisse être utile pour les gens qui s'intéressent à l'Union, pourquoi pas. Mais si vous voulez, moi, j'ai pris de la hauteur. Hein. C'est-à-dire que, étant un admirateur de l'œuvre des Frères Lumière, à qui le film est dédié, donc, quand j'ai. Enfin, évidemment, comme chacun, j'imagine que vous avez vu des Frères Lumière. Chaque fois qu'on voit ça, chaque fois qu'on voit des vues des Frères Lumière, ma réaction, c'est qu'il me semble que ce sont des images qui viennent d'une autre planète. C'est-à-dire que ce que nous voyons, les passants, les gens, les voitures à chevaux, les tramways, tout ça, il me semble que ça vient d'une autre planète. Et non, ça vient de Lyon, ça vient de Paris, ça vient de différentes villes où ils ont filmé. C'était il y a un siècle. Un siècle, par rapport à l'humanité, c'est vraiment une fraction de seconde, c'est rien. Et donc, en un siècle, il y a un décalage colossal, il y a un décalage incroyable. C'est-à-dire, quand on voit, nous, spectateurs d'aujourd'hui, les vues des Frères Lumière, c'est un décalage incroyable, alors que c'est rien du tout. Alors, quand je fais un film comme l'inventaire sur la Croix-Rousse, c'est un peu avoir un peu cette même ambition, c'est-à-dire de créer ce décalage. Les gens qui verront un film comme celui-là dans un certain nombre d'années, il y aura le même décalage. Alors, même sans aller dans 100 ans.
À 50 ans, même pas, avant 30 ans, il y aura le même décalage, puisque toutes les voitures que vous voyez, elles n'existeront plus, il y aura de nouvelles voitures, les gens seront habillés différemment, les boutiques seront peintes différemment, il y aura peut-être plus des pigeons, il y aura peut-être d'autres animaux à la plage, j'en sais rien. C'est-à-dire, c'est la fonction, c'est la force documentaire du cinéma, c'est-à-dire, le cinéma est le seul art, si vous voulez, que vous pouvez regarder, même si c'est un navet, par exemple, un film, vous pouvez regarder le pire des navets, ça sera intéressant. Parce que si c'est le pire des navets filmé en 1970, si c'est filmé dans la rue, je ne sais pas si c'est filmé à Paris par exemple, vous allez voir plein de choses. Bon, l'histoire ne vous intéresse pas, le film est un navet, vous allez vous intéresser à plein de choses. Vous allez voir bon, les gens, comment ils étaient habillés, comment ils se déplacent dans la rue, vous allez voir les voitures, vous allez voir mille choses, et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. C'est-à-dire que, en plus, si vous voyez au cinéma sur le grand écran, donc il y a une force documentaire qui existe dans le cinéma. Et donc, moi, dans un film comme ça, j'essaie de la pousser en. Disons, de m'intéresser encore plus à cette fonction documentaire. Et j'imagine que aussi, alors j'imagine que des gens vont voir ce film, par exemple, dans 50 ans, par exemple. Et j'imagine aussi que si jamais il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur Terre, par exemple, un jour, et qui voient ce film-là, donc, voilà, ils auraient ce document-là, bon, et puis ils auraient ça, il faudrait qu'ils se fassent une idée de ce qu'est la Terre. Et ils se poseraient beaucoup de questions parce qu'ils se diraient, tiens, les gens comme ça, il y a des voitures, des automobiles, tout ça. Enfin, on peut imaginer, enfin, bon, ils se poseraient beaucoup de questions. Et c'est ça qui m'amusait beaucoup. Oui. Vous étiez... Ah oui, le choix du film géant entre le nom des rues et la rue, c'est... Enfin, non, c'est justement, ça m'a... un peu gêné au début. Ah, oui. Après, il y a un effet d'adaptation, mais c'est... C'était vraiment particulier. Oui, non, vous avez raison de poser la question, parce que dans le projet global sur Lyon, ça s'est supprimé. C'est-à-dire que, là, je vous ai dit que je continuais maintenant à filmer Lyon, et donc les règles, j'ai modifié les règles en partie, notamment il n'y a plus de fond blanc chez nous. Donc, mais bon, sur ce film-là, c'est jusqu'à la fin du film, comme ça, avec un fond blanc chez nous. Et puis, enfin, autre modification, si vous voulez, ça sera un petit peu plus long. Oui, sur chaque rue. Est-ce que vous avez essayé de vous imprégner de l'esprit des rues dans le choix du plan, oui, bien sûr. Et par exemple, dans le moment où vous prenez la France, que c'est ce que vous demandez monsieur tout à l'heure, par rapport à la météo, à l'heure. Je me suis imprégné de l'ambiance de la Croix-Rousse, quoi. Mais au niveau météorologique, éventuellement, c'était difficile parce que j'avais. Là, c'est pas. Vous avez vu, hein, c'est un film qui est produit, qui a été coproduit par une chaîne de télévision. Donc, c'est un film que j'avais un laps de temps très déterminé pour tourner. Et en fait, j'avais une semaine. Et en fait, il n'y a eu que du beau temps. Bon, il y a eu un peu de gris, un peu de brume, mais qui s'est levé après. Il n'y avait que du beau temps. Et un jour, il a plu. Et en fait, ça m'intéressait de filmer beaucoup sous la pluie. Je me suis aperçu que c'était impossible en étant tout seul. C'est-à-dire que rien que le bruit de l'eau qui tombe sur le micro, c'est pas possible. Donc là, je me suis aperçu qu'il aurait fallu qu'on soit moins deux pour filmer sous la pluie. Moi, ça m'aurait intéressé. Ça m'intéresserait, par exemple, de faire un film que sous la pluie, par exemple. Et là, ça nécessite d'être au minimum deux, de protéger, par exemple, quelqu'un qui soit là pour protéger le micro, par exemple. C'est des petits détails comme ça, mais quand on est confronté à la réalité, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ce film-là, je l'ai fait tout seul de A à Z. On aurait pu être plusieurs, mais c'est un film, comme je vous ai dit, qui était produit, et il y avait un budget. Le principe de ce film, tout le monde était payé, et donc il n'y avait pas les moyens de payer plus, donc vous avez vu les gens, le monde qui était. Enfin, vous n'avez pas vu le générique à la fin, mais le réalisateur est payé, il y avait la monteuse, le mixage, ce qu'on appelle la conformation, les effets spéciaux, etc. Tout le monde était payé, et il n'y avait pas des moyens de payer plus. Donc s'il y avait eu plus d'argent, on aurait pu prendre par exemple, j'aurais pu travailler avec un ingénieur du son, par exemple. Donc on s'adapte, disons, je me suis adapté par rapport au budget. Si j'aurais très bien pu dire, maintenant je refuse de faire le film, il n'y a pas assez d'argent, non. Je ne pars pas de ce principe. À partir du moment où il y a la possibilité de faire un film, je saute sur l'occasion et je le fais. Parce que je sais que ce n'est pas facile de trouver de l'argent pour faire des films.
Et donc, quand c'est possible, c'est un conseil que je peux donner, si vous, dans l'avenir, ça se présente, il faut surtout sauter sur l'occasion. Parce qu'on peut très bien dire, ah non, je ne veux pas faire le film dans ces conditions-là, attendons qu'on ait plus d'argent, et souvent, le film ne se fait plus du tout. Donc c'est un risque de dire, attendons de trouver encore plus d'argent, et on le fera dans 6 mois ou dans 1 an. Là, on a dit, voilà, c'est possible de faire le film maintenant, c'était à la Toussaint, il faut qu'il soit fini le 31 décembre, qu'il soit diffusé sur la chaîne avant le 31 décembre, parce que ce qui permettait à la maison de production de toucher l'argent avant la fin de l'année, autrement ça ne les intéressait plus de faire le film. Donc voilà, il y avait un cahier des charges qu'on m'a proposé, soit je l'acceptais et on faisait le film tout de suite, soit je ne l'acceptais pas, et il y avait peu de chances que le film se fasse après. Donc ça, ceci, c'est des contingences économiques dont il faut tenir compte. Alors si on s'autoproduit, là c'est différent. Par exemple, le film pour l'instant que je fais sur Lyon, toute la ville de Lyon, pour l'instant je m'autoproduis, donc j'y vais quand je veux, quand j'ai le temps. Vraiment, je peux le faire pendant des années, tranquillement, je tourne. Voilà, je suis le seul maître à bord. Voilà. Le choix d'avoir justement réduit la grandeur des rues par rapport au fait de mettre la caméra sur la chaussée, je pense au boulevard de la Croix-Rousse par exemple, qui est totalement écrasé, alors que pour d'autres plans où, qui ne sont pas des rues immenses, vous avez adopté le grand angle, etc., pour donner un effet. Oui. C'est quand même un choix. Oui, bien sûr, oui. Non, mais là encore, c'est une question intéressante, parce que souvent, je faisais plusieurs prises avec différentes grosseurs, grosseur de cadre, et donc c'est au montage, c'est-à-dire quand j'ai vu toute cette matière, donc ça m'intéressait de donner un peu de rythme. C'est-à-dire comme le film est entièrement en plan fixe du début à la fin, ma seule manière de pouvoir donner du rythme au film, c'était d'apporter des variations au niveau de la grosseur des plans. C'est-à-dire que soit il y a des images qui sont plus en grand angle, et d'autres plus serrées. Donc c'était une manière, disons, de donner du rythme. Et donc j'ai pu faire ça au montage. C'est-à-dire quand j'ai eu tout ça, toute cette matière, en ayant toute cette matière-là devant moi, quelquefois on avait la possibilité entre plusieurs grosseurs de plans, et par rapport à ce qu'on avait eu, par rapport à la rue d'avant et par rapport à la rue d'après, donc ça me semblait plus intéressant, avec ma monteuse, de choisir telle rue plus serrée ou moins serrée. Moi, il y a un truc curieux, c'est que je suis de Lyon, pour ceux qui ne le savent pas, et je connais très bien la Croix-Rousse, et j'y étais encore la semaine dernière. Et là, sur ce qu'on a vu, j'ai reconnu à peine une dizaine de rues. Je sais pas, on en a vu peut-être au moins 40, ou je sais pas, un peu plus. Et il n'y a que 10 rues que je connais, les autres, j'ignorais même leur nom, et je ne sais pas du tout où elles sont, donc c'est assez étonnant comme expérience. Alors moi, je suis le premier témoin de cette expérience parce que je pensais connaître la Croix-Rousse. Je suis né à la Croix-Rousse d'ailleurs. Et donc je pensais connaître la Croix-Rousse et je me suis aperçu, j'en connaissais que 10%, mais pas plus. Et vraiment, vraiment. C'est-à-dire que le fait de faire ce film-là, ça m'a obligé d'aller absolument de partout. Mais non seulement je suis allé de partout, et je suis repassé 10 fois souvent dans les mêmes endroits. C'est-à-dire que je voulais refilmer telle rue, je repassais, tout ça. Et il est évident que si je n'avais pas fait ce film, je ne connaîtrais toujours aujourd'hui que 10% de la Croix-Rousse, en étant persuadé que je connais la Croix-Rousse. Et donc je continue ce film sur l'ensemble de Lyon, et je découvre, chaque fois que je vais filmer, il y a des quartiers que je crois connaître, que je découvre à 90%, j'en connaissais que 10%. C'est tout à fait étonnant. Et là, récemment, au mois de novembre, j'ai tourné un nouveau film, qui est l'inventaire de toutes les routes, les rues, les allées du bois de Vincennes. J'ai habité pendant 15 ans au bord du bois de Vincennes, et donc ça faisait des années que je voulais faire ce film-là. Je vais enfin tourner au mois de novembre. Alors déjà, première chose, je pensais avoir une cinquantaine de routes, d'allées et tout ça. J'en ai plus de 100 déjà, donc c'est beaucoup plus que ça. Je pensais connaître le bois de Vincennes par cœur. J'allais partout. À pied, je faisais beaucoup de vélo, j'ai fait des centaines de kilomètres dans le bois de Vincennes, j'étais persuadé de connaître par cœur le bois de Vincennes. Chaque fois qu'on me parlait du bois de Vincennes, je connaissais tout. Et là encore, j'ai découvert plein d'endroits où je n'étais jamais allé. Moi-même, je me suis surpris d'une façon incroyable.
Donc c'est étonnant de croire, quand on est persuadé qu'on connaît un lieu parfaitement, et en fait, le jour où on est confronté à cette expérience de filmage, on s'aperçoit qu'on n'en connaissait qu'une partie. Et ça c'est d'ailleurs très étonnant. Quand on est soumis à cette expérience-là, je peux vous dire que c'est assez... Ça nous remet en question, parce qu'on, ça, par rapport à nos certitudes, on croit à un certain nombre de choses, et en fait, on est remis à notre... On tombe de son, comme ça, de son petit piédestal, on est remis à, vraiment à son niveau. Quoi. C'est assez étonnant, vraiment. Se laisser porter par le film et donc, là je sais pas comment vous ressentez le film, hein, mais c'est une sorte de portrait de gêne subjectif, évidemment, un peu dans l'esprit de gens qui ont fait des films, je sais pas, par exemple, ça n'a rien à voir, hein, au niveau de l'esthétique, mais par exemple dans les années 20, on a commencé à faire des documentaires sur des villes, hein, comme à propos de Nice par exemple, etc. Donc, de donner une vision subjective d'une ville. Donc, la matière, elle existe, elle est présente, et donc, avec ma caméra, j'essaie d'agripper comme ça plein de fragments de vie, et donc l'ensemble, le but, c'est de faire un portrait de jeunes. Voilà. Donc, je sais, je vais montrer à il y a très peu de gens qui m'ont vu en Italie. Je connais quelqu'un de Gênes qui l'a vu, qui aime beaucoup cette vision de Gênes. Et bon, je voudrais qu'il y ait d'autres personnes de Gênes qui le voient pour savoir si eux, comment ils voient ça. Quoi. Malheureusement, il n'a jamais été montré là-bas. Donc ça m'aurait intéressé d'avoir leur point de vue. Il n'y a pas un moment où vous avez envie de sortir, justement, mais juste pour vous, on peut penser, enfin, parce que... Donc même vous n'allez pas aller filmer autre chose, vous êtes dans ce travail-là, il n'y a pas un moment où vous avez envie de filmer quelque chose, mais d'y mettre plus qu'un simple élément composite d'un portrait de ville derrière. Pour ce film, vous voulez dire? Ah ben non, ce film c'était ça, hein, c'était le principe, oui. Donc, pourquoi Gênes? Ah, Gênes, parce que j'étais à Gênes. Voilà, j'étais invité dans un festival pour présenter un de mes longs métrages. Donc j'étais invité, je pense, 3 jours à Gênes, où je n'étais jamais allé. Hein. Et donc, chaque fois que je voyage, j'ai toujours ma caméra avec moi. Quand je suis arrivé à Gênes, je ne savais pas que je ferais un film sur Gênes. Mais j'ai tellement été séduit par la ville
que j'ai eu envie de faire un film. Et d'ailleurs, pendant mon séjour, je n'ai pas fait un seul cinémathon. Alors que j'avais amené ma caméra en pensant que je ferais quelques cinémathons. Non, en fait, j'étais pris tout le temps, j'ai filmé Gênes, alors que ce n'était pas du tout prévu. Je précise bien, parfois, il y a eu des cas où j'allais dans une ville, je savais que j'allais filmer, mais là, je ne savais pas du tout que je ferais un film sur Gênes. Je ne savais pas à quoi ressemblait Gênes, j'avais aucune idée de ce qu'était Gênes. Voilà, donc je suis arrivé là, tout de suite, j'ai eu envie de faire ça. C'est ça qui est bien, c'est que c'était quelque chose de non prémédité. Et si ça avait été... Justement, ce qui m'intéressait, c'était l'impression première. C'est-à-dire que je serais incapable de refaire un film comme ça si je retournais à Gênes. Parce que maintenant que je connais, je ne suis plus surpris. Alors que là, j'étais surpris par tout ce que je voyais, et que je voyais en même temps à travers ma caméra. Et donc, ça ne fonctionne. Je ne pourrais plus faire ça, parce que cette surprise ne fonctionnerait plus. Donc... J'ai été porté en fait par la ville. Quoi. Pourquoi cette bande son? Oh, ça me semble. Bon, c'est des sons qui ne sont pas du tout pris à Gênes, hein, je peux vous dire, qui sont pris de très très loin de Gênes, à des milliers de kilomètres de Gênes. C'est des sons du métro de New York. Et donc, comme c'est une sorte de tourbillon. Alors là, le son est un petit peu fort là, mais bon, c'est toujours difficile de doser. Mais bon. Mais voilà. C'était une sorte de. Il y avait un tourbillon visuel, et donc j'ai ajouté un autre type de tourbillon, comme ça, c'est une sorte de match, comme ça, entre la bande image et la bande son, et il y a des moments où on perd l'équilibre. Je voulais surtout pas que le son nous fasse reprendre l'équilibre. J'avais envie qu'on soit toujours en état, comme une sorte d'état d'apesanteur. Allez-y, hein, si vous avez des questions. Je ne sais pas quelle heure il est, en fait. Mais il est midi et demi, donc en fait, on peut...